Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va voir le synthétiseur Spear de RevolveSound. Donc, on peut le trouver au prix de 189 € sur leur site. C'est un synthétiseur qui est relativement puissant puisqu'on peut faire quasiment tous les types de synthèses avec. On va avoir 4 oscillateurs pour pouvoir créer du son et on va pouvoir faire différents types de synthèses, donc classique, noise, FM, AM, saut, hard FM, wowel, et voilà. Ensuite, on a une grosse matrice de modulation, un moteur de son unique, enfin bref, il y a largement de quoi faire. On va voir tout ça plus en détail. Mais là, on peut le trouver, donc, comme je disais, à 189 € sur le site de RevolveSound. 168, donc un petit peu moins cher sur boutique plugin, en sachant que pour si je clique sur cette annonce là, on va dire que pour 180 €, vous pouvez avoir le Spear plus des banques de sons. Donc après, c'est à vous de voir, soit vous le prenez directement ici, mais bon, 189, vous avez le synthétiseur plus les banques une fois que vous avez ouvert votre compte, ou alors vous avez un bundle avec pas mal de banques de sons directement livrées avec. Hop, expansion Spear Preset. Alors quand on regarde, ce synthé, on peut le trouver aussi au format rack extension pour Reason au prix de 189 €, en sachant que là, il ne fonctionnera que dans Reason. Alors qu'en VST, il va pouvoir fonctionner sur l'intégralité des séquenceurs, puisqu'on peut trouver le synthétiseur au format donc audio unit, VST, AAX, et donc il va marcher sur n'importe quel séquenceur du marché, que ça soit en 32 ou 64 bits. Ta-ta-ta-ta-ta. Donc, en gros, voilà pour ce qui est des prix. Hein. Donc, 168 € si vous le prenez tout seul sur boutique plugin. Vous pouvez l'acheter aussi sur le site de RevolveSound. Une fois que vous l'avez acheté, surtout, ouvrez bien un compte chez RevolveSound puisque vous avez accès à toute cette petite banque-là. Tout ça, ce sont des banques de sons que vous allez pouvoir avoir gratuitement, directement. Donc, pensez à vous ouvrir un compte une fois que vous avez acheté votre VST. Maintenant, on va aller directement dans Studio One où on va pouvoir détailler un peu cette interface parce qu'il y a largement de quoi faire. Donc, quand on prend la fenêtre du haut, ici, on va avoir l'onglet pour atterrir sur les différents presets. Et choisir le preset qu'on veut affecter. Hop. Donc on peut vraiment faire tout type de synthèse, hein, que ce soit des pianos, enfin on peut vraiment faire de tout, même des drums. Hop, là j'ai mis un kick, on a des basses, on a des leads. Et donc là, cette fenêtre, ça va nous permettre d'accéder aux différents presets. Ensuite, on a un petit bouton où là, on va avoir une grande sélection dans laquelle on va pouvoir aller naviguer dans les différentes banques de sons. Hop. On va pouvoir importer des banques de sons. On va pouvoir en retirer. Là, c'est pour accéder directement au dossier où il y a les banques de sons. On va pouvoir sauvegarder nos propres banques une fois qu'on les a créées, qu'on aura fait notre sound design. On va pouvoir les sauvegarder, les charger, les enlever. Enfin bref, on fait ce qu'on veut au niveau des banques comme des presets. Là, c'est la partie pour enregistrer, puisqu'une fois que vous aurez acheté votre synthétiseur, vous allez avoir un petit fichier de licence que vous allez recevoir par mail qu'il faudra intégrer juste ici au logiciel pour qu'il puisse fonctionner
en mode normal, sinon il va rester en mode démo. Après, si vous allez dans l'onglet GUI options, vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir la taille de la fenêtre du logiciel et changer de thème. Hop, par exemple, là j'ai remis le thème d'origine, comme je peux me mettre en dark, voilà. Vous avez différentes façons de personnaliser votre petit logiciel. Le bouton qu'on a ici, c'est un bouton d'initialisation. Donc là, on se retrouve avec le logiciel complètement à zéro, un seul oscillateur qui fonctionne. La fenêtre d'à côté, là, elle va vous donner, quand vous êtes sur le VST, le nom du paramètre que vous bougez, ainsi que la valeur que vous avez changée. Hop. Voilà. Là, on est dans le mode. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir 4 modes monophoniques, 2 modes polyphoniques. Juste à côté, ce sont le nombre de voix. On peut aller jusqu'à 16 voix. Et enfin, on a un switch pour le MIDI Learn. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on a les paramètres d'oscillateur dans le premier encadré ici. Chaque oscillateur a son bouton de volume qui se trouve directement ici. Il vous suffit, pour mettre en marche l'oscillateur, d'augmenter le volume. La LED s'allume et donc là, j'ai augmenté le volume de l'oscillateur 2. J'ai plus qu'à cliquer sur l'onglet de l'oscillateur 2 pour pouvoir commencer à le modifier. Quand on prend la fenêtre, ici, on va choisir le mode de synthèse qu'on va utiliser. On va avoir un bouton pour les octaves ici, donc pour monter ou descendre. Là, je vais dans les graves, hop, dans les aigus. Ensuite, on a un potentiomètre pour les notes. Voilà, hop, fine. Donc là, c'est pour affiner, on va dire, entre guillemets, l'accordage. Après, la partie du dessous, ça va être en ce qui concerne la forme d'onde. Quand on clique sur la fenêtre ici, vous allez pouvoir choisir la forme d'onde que vous voulez. Donc il y a différents types de formes. Là, on va rester en sine, donc sinusoïde. Une fois que vous avez choisi votre forme d'onde, vous n'avez plus qu'à ouvrir le potentiomètre ici. Donc là, on a le son de l'oscillateur classique, normal. Et on fait intervenir la forme d'onde. On a un bouton pour jouer sur la phase. On a CTRL A et CTRL B pour modifier la wave, en fait. Alors ensuite, voilà, donc là je commence à le modifier. Voilà, on entend l'effet sur le son. Je vais augmenter un peu. Et là, je reviens. Hop. Sinusoïde normal. Et là, je la redéforme. Juste à côté, on va avoir tout ce qui va concerner l'unisson. Et donc, premier encadré, on va choisir le nombre de voix. Et on peut aller jusqu'à 9 voix. Ensuite, on a un potard pour le détune, donc ça va un peu désaccorder. Voilà. Ensuite, un potard pour la densité de l'effet, on va dire. Et quand on va juste en dessous, la fenêtre ici, on va pouvoir choisir le nombre d'octaves qui vont jouer en mode unisson. Là, j'ai 3 octaves qui jouent ensemble et j'ai 3 voix. Donc après, je vais pouvoir déclencher des accords majeur, mineur, majeur septième, etc. Hop, je vais me remettre en mode normal. Ici, on va avoir la partie mix, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir jouer grâce au wide sur l'image stéréo du synthé, donc normal,
le pan. Ok. Et là, c'est un bouton pour pouvoir jouer au niveau des filtres. Ensuite, là, on a un switch ANA, un switch inversion et un switch key. Là, j'appuie sur deux touches différentes. Voilà. En gros. Ensuite, on continue la visite. Donc là, on arrive dans la partie filtre. On a un filtre, on a deux filtres. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir le filtre 1 sur la partie du haut et la partie du bas, le filtre 2, avec cut-off, résonance et un potard pour le key track. Ici, vous allez choisir, par exemple, le filtre numéro 1 avec le type de filtre que vous voulez, donc low pass, band pass, high pass, peak, etc. Vous avez différents types de filtres et donc vous aurez à chaque fois différents, vous pourrez choisir différentes options par type de filtre. Donc là, j'ai mis en marche le filtre 1. Si je veux faire intervenir le filtre 2, il va falloir que je choisisse un filtre pour le filtre 2. Hop. Donc là, j'ai mis un shaper, saturation. Voilà. Ensuite, ici, on arrive dans la partie effet. Donc là, vous allez avoir un shaper. Donc, on va pouvoir rajouter du drive. Et on a différents modes. Donc, soft, warm, hard, clip, tube. Donc, on a trois différents types de tubes. Et après, on a encore d'autres presets. Ensuite, ici, on a un phaser. On va pouvoir choisir le nombre d'étages du phaser. Ici, on a un chorus. Hop, on va pouvoir choisir pareil. Là, on a un delay qui peut faire du ping-pong, être synchronisé directement au tempo du morceau, et enfin une reverb. Quand on a initialisé le synthétiseur, à chaque fois, pour pouvoir entendre l'effet, il va falloir ouvrir le bouton dry-wet. Après, vu que là, c'est un shaper, si je veux rajouter du drive, on a un high cut, on a un low cut, on peut jouer sur la définition pour donner un petit style lo-fi, comme un beat crusher. Là, si je veux mettre un mode tube, ça va me donner un autre type de saturation. Après, j'active mon delay, j'ouvre mon drive, mon dry wet. On a un bouton mute pour chaque. Juste en dessous, on va avoir la partie compresseur. Avec le volume général du synthé. La partie d'en dessous, ça va être pour ce qui concerne l'équaliseur. Je choisis ma fréquence, j'augmente le gain. Donc, high shelf, low shelf, et là, on a une sorte de filtre un peu mixte
Et après, on joue avec le Q. Hop. Et là, on sélectionne la fréquence. Dans la grande partie du milieu, là, hop, je vais me remettre en comme ça. Donc, quand on ouvre le VST, on va avoir, au départ, on a les enveloppes. Donc, faut savoir que pour le synthé, on a quatre enveloppes. Donc, à chaque fois, ça va faire enveloppe 1, enveloppe 2, enveloppe 3, enveloppe 4. Enveloppe 4, enveloppe 3, enveloppe 2, enveloppe 1. LFO1, LFO2, LFO3, LFO4. Donc, on a quatre enveloppes, quatre LFO. Ensuite, on a un stepper 1 et un stepper 2. Et pour finir, on a un arpégiateur. Pour mettre en marche l'arpégiateur, rien de plus simple. Ici, on a le bouton on-off. On met en marche. On appuie sur une touche et c'est parti. On a un bouton gate pour jouer sur la longueur de la note. Le time pour jouer sur la vitesse d'exécution de l'arpégiateur. Le mode d'arpège, là, up, down, up and down, hop, il y a différents types, ça sera essayé, il y a même un mode corde, enfin accord. On peut jouer sur le swing grâce à ce potentiomètre. Le nombre d'octaves qui vont être jouées si vous faites un accord, par exemple. Donc là, je suis en 1. Si je passe en 2. Et on peut aller jusqu'à 4. Et enfin, le nombre de pas qu'on peut sélectionner pour pouvoir jouer sur l'arpégiateur, donc de 1 à 16, ou sinon si vous mettez no, il va tourner enfin indéfiniment quoi. Ensuite, ici, vous allez pouvoir jouer sur la hauteur des notes. Après, il y a ces petites flèches. Qui vont vous permettre, entre guillemets, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, d'allonger. Voyez? Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour au niveau de l'arpégiateur. Donc, là où tout cet arsenal va devenir intéressant, c'est par rapport au bouton MTRX ici, donc matrice, c'est la matrice en fait de modulation. Donc vous avez 5 pages de modulation, sur chaque page vous avez 3 slots, sur chaque slot vous pouvez mettre 2 sources à moduler et 4 destinations. Les sources, vous allez pouvoir les choisir en cliquant sur la fenêtre avec les différents menus. Si vous voulez utiliser les steppers, par exemple, il faudra mettre le stepper en source, stepper 1, ouvrir le bouton Amount qui marche en positif comme en négatif, et enfin aller chercher un paramètre à moduler. Donc eux, ils ont mis Target, mais en fait, c'est la destination. Cutoff. Donc là, ça va jouer sur le cutoff ici. Hop, je vais retourner. Je vais sur le stepper 1 qui est ici. Je vais éteindre l'arpégiateur puisque c'est un... enfin, c'est pas tout à fait dans le même style, mais vous allez comprendre. Dès que je vais appuyer sur une touche, je vais avoir la petite lumière là qui va bouger sur les 16 pas. Donc, maintenant, ça, on peut le régler. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir décider à quel moment le stepper va commencer, à quel moment
il va s'arrêter, ou même sur le nombre de pas qu'il va jouer. Là, je me suis mis sur 4, ce qui fait que ça va faire 1, 2, 3, 4, et il va recommencer. 1, 2, 3, 4. Ensuite, chaque pas, je peux le modifier grâce à cette petite matrice ici. J'appuie sur X. Alors, maintenant. Là, je vais en mettre 3. Ensuite, en prenant le carré, je peux modifier la forme des dents de scie. Je peux agir aussi sur la vitesse. Donc, si je me mets en 1/16, ça va m'accélérer le défilement. Ensuite, on va avoir un mode free, synchro ou position. Et enfin, un mode mono. Il suffit de cliquer dessus. Et ça, on l'a deux fois, puisqu'on a stepper 1 ici et stepper 2 ici, qui fonctionnent exactement de la même façon. Et pour le faire intervenir, il va falloir le sélectionner en source. Donc, admettons, ici, je mets source. Stepper 2, il va agir aussi sur le cutoff numéro 1. Donc quand je vais retourner ici, là on voit qu'il s'est bien mis en marche. Après, j'ai plus qu'à modifier mes pas. Ou jouer sur la vitesse, etc. Là ici, vous avez import, donc sélection de banque de son et import de banque de son. Et ensuite, les quatre rotatifs que vous avez là, ce sont des accès directs à de la modulation. C'est-à-dire que, je vais aller retirer tout ça. Off. 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 Quoi que si. Là, par exemple, je vais prendre mon mode 1. Non, là je vais mettre stepper 1. Il va agir sur toujours mon cutoff. Alors, hop, j'ai pas ouvert la moute. Voilà. Après, rien ne m'empêche d'aller par exemple sur le slot 2, de mettre le bouton mode 1 ici et de lui dire de faire, pardon, hop, d'agir sur la vitesse du stepper. Donc, stepper rate 1. J'ouvre le bouton amount ici. À chaque fois, ne pas oublier quand vous faites une affectation de modulation d'ouvrir la mount. Et là, et si on retourne directement ici, on va voir qu'au fur et à mesure que je vais ouvrir le mode 1, la vitesse du stepper va augmenter. Vous aurez compris le système. Donc avec tout ça, on en a 4. Et en plus, on a différents modes, c'est-à-dire qu'on peut faire du micro-tuning. Donc après, ça, il y a à essayer, que ça soit en fonction des fréquences, notes de référence. Et voilà. Et enfin, bon, après, molette de pitch et moodwell. Donc ça, pareil, au niveau de la matrice de modulation, rien ne vous empêche de prendre
votre molette de Moodwell, l'affecter, peut-être là je vais retirer le stepper, off, je vais prendre le Moodwell, je vais l'affecter à mon cutoff. Je l'ai mis sur le pitch, c'est mood, voilà. Hop, et si je mets l'autre, le pitch bend, donc ça va être celui-là, hop, celui qui revient tout seul. On joue bien sur le cutoff du filtre 1 ici. Je pense que là on aura fini pour ce premier tutoriel de décomposition un petit peu de tout ce qu'on peut faire. Après, la banque de sons est vraiment énorme, donc je pense que je referai une autre vidéo où on va visiter un peu plus en détail la banque de sons de ce synthétiseur. Donc c'est vraiment un excellent investissement, un peu coûteux, certes, 189 € ou 168 pour ceux qui ont un compte chez Boutique Plugin. Voilà, il est à 169 €, donc c'est un petit peu moins cher que sur le site de RevolveSong. Mais une fois que vous l'avez acheté, allez bien vous ouvrir votre compte pour pouvoir récupérer vos banques de sons gratuites. Après, dans le magasin, vous pourrez racheter des banques suivant. Hop, là vous avez un classement par genre, donc voilà, après vous regardez hip-hop R&B par exemple, hop, voilà, ça va me mettre différents réglages, donc ça, là il y en a par exemple à 6 €, 24 €, 17 €, une fois que vous avez le synthé, ça devient un expander, donc c'est quand même un outil relativement puissant qui peut faire énormément de choses. Ensuite, pour ceux qui veulent l'avoir en rack extension, vous pouvez très bien acheter, aller sur le site, vous ouvrir votre compte, puisqu'il faut avoir l'adresse mail, vous rentrez votre adresse mail et vous créez un compte, et ici vous avez convertisseur, ce qui va vous permettre de transformer les fichiers de banque de son du VST en fichiers qu'on va pouvoir inclure dans le rack extension, voilà, dans Spire pour Reason. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous le préférez en rack extension ou en VST. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Lâchez un petit pouce bleu si la présentation vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les différents réseaux sociaux cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !